Bonjour à tous, les conditions de jeu idéales sur la pelouse et même en dehors. Donc pour assister à un magnifique spectacle dans quelques secondes. C'est le coup d'envoi pour vous accompagner votre duo de commentateurs franco-argentin. Et comme le dit Omar, on s'attend à un match effervescent. Preston North End contre Nuremberg. Et oui, on est là pour discuter, crier, applaudir. C'est ça le football. Le football, sa parole, c'est pas le football. Position de cette formation. Leur objectif principal, c'est de bien défendre pour éventuellement attraper une bonne contre-attaque. Ce n'est pas le style que je préfère, mais c'est parfaitement légal. Ouais, mais bon, vous savez, les goûts, les couleurs. Bien sûr, la diversité, c'est la vie. Rien ne garantit le succès. Voilà, la composition officielle de cette équipe. La recette de cuisine ici, c'est un 4-4-2 losange. Mais le plus important, c'est les ingrédients. Si vos poireaux ne sont pas bons, la soupe non plus. Thank you. Enjoy the game. Et c'est parti dans ce match. Ah, la défense est battue. Et un arrêt qui fait du bien. Voilà, c'est joué court. Elle va aller provoquer dans l'axe. On a très peu de temps pour frapper. Goal, 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 goal. Et oui, sur cette très belle reprise de volée, l'équilibre est parfait. C'est imparable. On le voit, le centre qui part. Tout le monde qui regarde et qui lâche son adversaire direct des yeux. Et pour finir l'action, mieux vaut dribbler le gardien ou frapper en force? C'est la grande question des duels. Cette fois-ci, le passage en force lui a plutôt bien réussi. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Ouais, le bon tacle, c'est bien défendu. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Ah, l'action était bien partie. Et finalement, c'est perdu. Et l'arbitre qui indique donc le corner. Corner. Et là, le ballon est renvoyé sans aucune difficulté. Là, il y a faute, mais avantage, l'arbitre là, elle fait signe de continuer. Et la possession leur échappe.
Reece James. Ouais, bonne intervention là. Ah, il y a de l'espace sur le côté. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. Le tir peut-être pour égaliser. Ouais, bon arrêt du gardien. Le corner bien tiré, pas vraiment de danger là sur ce corner, ballon renvoyé par la défense. Le gardien s'interpose sans grande difficulté. Super progression dans la moitié adverse. À faute de concentration ou bien excès de confiance, en tout cas, ça sort en corner. Le corner. Voilà, c'est mal dégagé ça. Attention. L'écart se creuse de longueur. On revoit les images de ce but. Le dégagement est raté. La défense n'arrive pas à ressortir le ballon. Un moment, si tu ne sais pas, mets un point de vue. Tu fais quelque chose. Ne reste pas comme ça à attendre. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Attaque et le danger se rapproche. Interception en pleine surface de réparation. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. Oh, la frappe au but. Excellente intervention. Ce coup de pied arrêté et joué court. Attention, il y a danger là. Oh oui, c'est au fond, bien suivi. Le ballon était mal repoussé face. Un tel réalisme, évidemment, ça fait but. Faire un bon arrêt, ce n'est pas juste empêcher le ballon de rentrer dans le but, c'est aussi éloigner le danger. Et là, le ballon est renvoyé dans une zone très dangereuse. Ensuite, ce qui arrive est presque logique. C'est une première mi-temps vraiment spectaculaire. C'est rare de voir une telle maîtrise aussitôt dans le match. La domination est totale. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Oh, attention à ce ballon. Bonne intervention du gardien. Et c'est donc une petite combinaison.
Et ça joue dans un petit périmètre. Il peut frapper. Et allez, et encore un but. Quelle puissance offensive. 4 buts d'avance et encore pas mal de temps à jouer. Frappe surpuissante. On le voit sur ces images. Quelque part, on s'est dit que c'est mieux hein, que le gardien ne se soit pas interposé. Il a pu conserver l'usage de ses mains. La rencontre est à sens unique. Le score reflète largement cette supériorité. Certains vont bien dormir et d'autres vont en faire des cauchemars. Oh, le tacle mal maîtrisé. L'arbitre s'approche et le carton ne serait pas immérité. Et cette faute mérite le jaune. C'est ça qui a décidé l'arbitre en tout cas. Et donc on va en rester là, c'est la fin de la première période. Petit aparté, le temps pour nous de signaler la qualité de sa performance en attaque. Et oui, toutes ces prises de balles, il dompte le ballon et il ajoute un peu de miel pour l'adoucir et il le transforme en un but délicieux. C'est de la haute gastronomie footballistique. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période, donné à l'instant. Un bon ballon à jouer pour profiter du couloir. Un ballon bien attrapé, mais il faut s'en débarrasser maintenant. Eh oui, c'est bien défendu. Il frappe. La frappe est bien contrée. Et oui, la bonne passe en profondeur. Oh là là, c'est loin du but et c'est pas si surprenant hein, dans une telle position. Le football, ce n'est pas seulement frapper au but, c'est aussi prendre les bonnes décisions au bon moment. Là, c'est raté. Attention, il y a un bon pressing, c'est récupéré. Oh, bon pressing. Et le centre dans la boîte. Ah là là, personne pour couper ce bon centre. Lecture de la trajectoire, le ballon est récupéré. Oui, ce ballon est intercepté. Oh, ça peut aller au but. Ah, dommage, parce que ce ballon-là est gâché. C'est une occasion en or et ça finit dans les bras du gardien qui n'a pas eu grand-chose à faire là-dessus.
le corner. La défense s'en sort facilement, ballon bien dégagé. Et il prend sa chance, la frappe contrée sans souci. Ballon pour Rhys James. À la conclusion peut-être sur ce ballon. Et le gardien était bien vigilant. Cornea. Ah, il y a toujours le feu. Il faut se méfier, faire attention. Eh oui, c'est une récupération. Ouais, contact, le ballon est récupéré. Ça sort en touche. Le changement est demandé et il a lieu. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Et le gardien s'emploie comme il faut. En deux temps. Goal ! Et encore un but dans ce match hallucinant. C'est plus une défaite, c'est une déroute. On le revoit sur ces images, ce centre départ bien appliqué qui surprend la défense. Un bon centre, c'est déjà la moitié d'un but. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer un bon tir. Et le récital en attaque se poursuit, ce nouveau but en est la preuve, la défense est vraiment en souffrance. Substitution for the visitors, coming off the pitch, number 3, Kieran Gibbs, to be replaced. Et les voilà en possession du ballon. Attention à ce ballon, donné dans la profondeur. Et oui, le bon réflexe. Petite astuce, c'est jouer court. Oh là là, et cette frappe est complètement dévissée. Elle passe très très loin des poteaux. Loin des poteaux de but, ça c'est clair. En revanche, pour les poteaux de corner, pour le coup, on y est. C'est la dernière minute du temps réglementaire. Oh,
Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. C'était un contre bien tenté, mais ça a manqué de coordination. Et le ballon est perdu. Et voilà le coup de sifflet final de l'arbitre. Elle renvoie donc tout le monde au vestiaire. C'est une victoire pour l'équipe visiteuse. Contrôle du match et de l'enjeu. C'est une très jolie victoire pour cette équipe.